Félicitations pour avoir fait un pas en avant pour vous mettre en forme et vous sentir bien. Beaucoup de gens sont coupables de souhaiter pouvoir obtenir un corps sculpté en mangeant de la malbouffe et en regardant la télévision toute la journée. Mais cela n'arrivera tout simplement pas. Même si se mettre en forme semble être un processus long et chronophage, l'effort déployé pour être en forme a de nombreux effets positifs. Si vous voulez commencer votre voyage pour avoir un meilleur corps pour vous sentir bien, voici quelques conseils. 1. Faites de l'exercice quotidiennement. Faites de l'exercice quotidiennement pendant au moins une heure. Vous n'êtes pas obligé de vous tuer en courant, en faisant du jogging, etc., mais vous devriez avoir une sorte d'activité physique modérée dans votre vie de tous les jours. Si vous cherchez à perdre quelques kilos rapidement, faites un entraînement d'intensité plus élevé. Par exemple, faites une promenade à un rythme soutenu pendant une heure. Ou, vous pouvez faire du jogging et définir certains intervalles pour sprinter pendant 7 heures. Assurez-vous que vous ne ressentez pas de douleur intense pendant votre entraînement. Juste un avertissement, vos muscles seront douloureux après un entraînement de haute intensité. Cela peut être irritant, mais cela signifie que votre corps change pour le mieux. Assurez-vous de rester hydraté, de vous étirer et de manger des aliments contenant une quantité décente de protéines après chaque entraînement. La protéine aidera à garder vos muscles, et non la graisse, à se reconstruire. 2. Mangez les bons aliments et portionnez chaque repas. Peu importe à quel point votre estomac vous dit d'opter pour des bonbons plutôt que des aliments sains, essayez de rester à l'écart des sucreries. Le sucre des bonbons ne vous aidera pas à vous mettre en forme. Même s'il ne s'agit que d'une seule barre chocolatée, l'une finira par en entraîner une autre. Les fruits et légumes sont les meilleures choses à manger pour se mettre en forme. Les pommes, par exemple, font un bon travail pour rassasier l'estomac jusqu'à 3 à 4 heures. Les légumes verts tels que les haricots verts et le brocoli maintiennent le système digestif propre et fonctionnel. De plus, tenez-vous-en aux viandes maigres, comme la dinde et le poulet. Les fruits de mer, comme les crevettes et le tilapia, sont également d'excellentes alternatives. Ces aliments regorgent de protéines et de nutriments sains pour aider à garder les muscles en forme et prêts pour les entraînements. De plus, assurez-vous de portionner ce que vous mangez. Avoir un bon métabolisme vient du portionnement des repas. Essayez de prévoir de manger 6 fois par jour et de préparer des portions plus petites plutôt que de prendre 3 gros repas tout au long de la journée. Cela vous aidera également à respirer plus doucement lorsque vous vous entraînez plutôt que de souffler et de souffler pour respirer. C'est parce que vous aurez moins de nourriture dans votre système digestif, ce qui signifie que plus d'énergie est utilisée pour votre exercice. 3. Gardez une trace des calories et de l'apport alimentaire par jour. Garder une trace du nombre de calories que vous consommez par jour vous aidera à planifier votre exercice physique. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les masses corporelles des culturistes sont si grandes? C'est parce qu'ils planifient leur repas et consomment plus de calories saines que la personne moyenne. D'un autre côté, perdre du poids et s'efforcer d'avoir un physique plus mince impliquera plus d'exercice physique que de calories que vous ingérez. 4. Assurez-vous de dormir. Même si la plupart d'entre nous ont un travail de 8 heures, le jour ou la nuit, il est crucial de dormir suffisamment pour recharger les batteries du corps. 6 à 8 heures de sommeil permettront au corps de fonctionner tout au long de la journée, mais si vous vous sentez fatigué à un moment donné après votre retour du travail, faites une petite sieste avant de faire de l'exercice. Vous ne devriez faire une sieste que pendant environ une demi-heure. Cela vous évitera de rester debout plus tard dans la nuit. 5. Restez motivé. Une clé importante pour être en forme est de se fixer des objectifs et de garder un état d'esprit positif. Si vous restez positif, vous pourrez vous pousser à obtenir ce corps en forme que vous avez toujours voulu. Si la vidéo résout votre problème, veuillez vous abonner à notre chaîne. Restez à jour, restez en sécurité.